Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vieille Ville. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre, voilà, qu'un vitoyen vienne ici et vienne continuer de percer nos petits trucs par ici pour voir si on peut continuer à explorer ce niveau d'en dessous, parce que là, autant dire que c'est un peu pauvre, hein. On a un peu de diorite ici. On a du fer, du charbon, tout ça, mais que des trucs qu'on veut pas. Ce qu'on veut, bah, c'est explorer plus loin, plus profond, toujours plus loin. Mais là, apparemment, c'est pas franchement le cas et c'est pas franchement possible. Donc, on va regarder qu'on n'a plus rien à manger. Ah, on a 45 pommes. Ça va. Comme me disait un commentaire, d'inverser ces deux-là. Donc on va tenter. Ça, on va baisser ça, du coup, on va baisser ça à 5, 6, 6. 6, c'est très bien. Et comme ça, si c'est inversé, avec un peu de chance, ils vont me faire de la farine avec tout ça. Mon joli panneau d'entrée de la ville. Ah bah, ils sont en train de finir de faire des maisons aussi. C'est vrai que j'avais fait deux petits superviseurs. Oui, c'est vrai que ça fait quand même pas mal de temps que je n'y ai pas joué, hein. Je dois bien être honnête avec vous. J'ai quelques lags quand même, et ça, j'aime pas avoir quelques lags. Comment on fait avec? Ah bah oui, forcément, je fabrique des murs, donc ils vont chercher des pierres. Mais c'est pas possible. Où est la suite de ce donjon? Hein? Si c'est pas là, bon, on va essayer ici. Voilà. Avec un peu de chance, avec mes maisons de plus ici, je vais réussir à récupérer quelques vitoyens et je vais pouvoir en sacrifier quelques-uns négligemment en passant comme ça. Ouh là 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 là. Ça serait bien s'ils se mettaient à me faire du pain vraiment là, maintenant, là, par exemple. Parce que là, j'ai vraiment. Enfin. Pourtant, celui-ci est allumé. Celui-ci est allumé. Allumé, 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 allumé. Bon. Hein, on va récolter des pommes. Hop. Toute la Vieille-Ville va aller récolter des pommes. C'est ça qui est bien avec le micromanagement de town, c'est que ils font des choses, ils se micromanagent de manière très 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 bizarre. Mais bon, c'est pas grave, hein. Ah, là, j'ai vraiment, enfin, je sais pas si vous allez sortir sur la vidéo, mais j'ai vraiment beaucoup de lag. Je ne sais pas pourquoi, ça me dérange quand même un petit peu. Bon, c'est pas grave. Ah, une pomme au milieu des vaches. Ah, ça y est, je pense qu'ils ont fini de récolter toutes les pommes. Voilà, donc là, je dois avoir quelques pommes. 66 pommes. Ça va être bien. Alors, pourquoi j'en ai demandé 6? Il y en a un, ils ne partent en récolter que pas beaucoup. Ah, il y a vraiment des trucs, même en se documentant, qui sont quand même obscurs dans ce jeu. C'est vraiment, vraiment, vraiment bizarre. Forcément, s'ils ne récoltent pas de blé, ils ne font pas de farine, et s'ils font pas de farine, ils font pas de pain. Dit comme ça, ça paraît quand même super logique, hein. Donc on va leur demander de ramasser plus de blé. Ah, 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 ah! Oui! Parfait! Hop! Parfait, 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 nous avons trouvé un bout de suite de continuation de donjon. Alors, cette pouffe va aller. Forcément, ils vont tous crever. Hein? C'est pour une raison complètement débile, je pense qu'ils sont en train d'essayer d'aller chercher je ne sais pas quoi. Qui se sentent obligés d'aller chercher parce qu'on.
Ouais, c'est... Ah, c'est peut-être les armes qu'ils essaient d'aller chercher. Ouais, ça ferait du sens, puisque j'ai effectivement des trucs à armes par ici. J'ai des racks à armes. Quatre immigrants avec un Z sont arrivés. Ah, il y a une vache dans la personal room. Hop, on va demander de retirer un peu la vache, hein, parce que j'aimerais pas trop avoir une vache chez moi, je sais pas vous, mais comme ça, là, en arrivant chez vous, tiens, tu vas emménager ici, t'as une vache en meuble de cuisine. C'est pas très sympathique, je crois. Mais bon, après, c'est vrai que ce sont des préférences personnelles de chacun. Ah, bah c'est très bien ça, ça continue à se faire explorer. Ça, j'aime bien. Et donc, en espérant ce coup-ci que c'est pas un minuscule petit truc minusculique. Oui, aujourd'hui je barbarise. Enfin, vu l'heure qu'il est, au moins une personne pourra vous dire l'heure à laquelle c'est, mais je pense qu'il ne sait pas que je tourne. Mais il fait chauffer son four, donc s'il regarde cette vidéo, il pourra se reconnaître. Avec qui c'était bête? Ah bah oui, ils ont été sûrement chercher des pommes. C'est là même en... Ah bah oui, ils sont en train de... Je pense qu'ils sont en train d'essayer de ranger les pommes dans les barils. Alors là, il les fait activer tous. Effectivement, on n'a pas de farine. Alors c'est encore un truc très bizarre de ce jeu où on se retrouve... À chaque fois, je suis soit envahi de farine, soit j'en ai pas du tout et on manque de mourir de faim. C'est... Oui, parce que là, il n'y a plus de pain, enfin, il n'y a plus rien, là, c'est vrai. C'est la dèche totale. Et on n'a pas de farine. Donc, ce qu'on va tenter de faire... C'est qu'on va faire ça. On va demander 30 blés d'un coup. Comme ça, avec un peu de chance, ils vont se mettre à faire de la farine avec, ou alors ils vont comment couper tous les champs de blé. Ça va être l'horreur parce qu'il va plus rien y avoir. Hop, on va récolter encore quelques pommes. Et donc là, vu le blé que je récolte, on va peut-être avoir quelque chose de potable. Alors là, il y a quelques dire wolves par ici, on a par là. Ah, c'est bien, j'ai un peu l'impression que cette cave est déjà DGB. Est déjà. Ah là 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 là. C'est... Ouais, c'est tard, on va mettre ça sur le fait que ça soit tard. J'ai l'impression que cette cave est déjà plus grande que c'est que la précédente. Donc ça, c'est très très bon. 39... Ah, mais je dois avoir un nouveau héros. Donc, comment t'appelles-tu toi si j'arrive à te cliquer sur le bord de la tronche? Ronald. Ça donne. Par ici. Arvr. Tibalt. On va plutôt regarder dans le truc. Est-ce qu'il y aurait un. Est-ce que j'arrive à retrouver où sont arrivés mes vitoyens? Nouveau vitoyen ici, blablabla. Est-ce que je vois un héros qui arrive? Il a pas semblé. Bon, je suis sûr que vous en avez vu un qui arrive. Hein. Ça, c'est... Close message. Ça, je suis sûr que... C'est comme à chaque fois qu'on fait quelque chose en vidéo, on ne voit jamais les minerais. On voit tout ça et tous les viewers nous font un petit commentaire en nous disant qu'il y avait un minerai ici, il y avait ceci là. Effectivement, c'est jamais... Jamais aussi simple de faire ça en filmant que sans filmer. Alors lui, il a un effet Atacora. C'est super ton effet. Ouais, oui, la sienne et celle de son pote ici. Ok. Ouais. Ah bah je suis pas passé loin quand même ici. Franchement, je suis vraiment pas passé loin. Oui, en voyant tout ce charbon et ce truc-là, il y a quelqu'un qui me posait la question de pourquoi je ne le récoltais pas toujours. Eh bien, je ne le récolte pas. Pas toujours parce que justement ça demande à mobiliser des vitoyens pour faire ça et aller les faire descendre, remonter, tout ça, et c'est quelque chose que j'ai pas vraiment envie de faire. Parce
Parce qu'après, ça les expose à crever, ça les empêche de faire la nourriture. Et vu que là, on est un peu en grave galère de nourriture. Il nous reste plus que 3 pommes. Donc il va falloir aller récolter des pommes. Mais non, c'est pas du tout ça que je veux faire. On va récolter des pommes. Manger des... Bah, plus de pommes ici. Il y a quasi plus de pommes là. Ouais, bah il va falloir se mettre à faire du pain les amis. Hein, parce que là, ça commence à devenir grave la dèche. Ça commence à devenir grave la dèche. Alors lui, il est content, il a passé de niveau et il remonte tous ses potes dans les pièges. Jocelyn. Ah non, j'ai vraiment... J'espère que ça va vraiment continuer par ici. Sinon, c'est un peu... C'est un peu la galère. En fait, ça sert à rien d'avoir fait tant de pièges que ça, puisqu'il n'avance que sur une seule ligne de pièges. Bon, c'est pas grave, c'était fun. Ah là là... De la farine, les enfants, faites de la farine. Le ruit... On s'en fout... Il n'y a vraiment pas de farine. C'est vraiment terrible. On va se dire 14, c'est bien. Et on va dire... Alors là, j'ai vu un truc rouge qui m'a pas plu. Ah non. Je me suis trompé. Tout ce qui fait qu'on a plus de pommes et on a plus de pain. Ça, c'est pas cool. Donc on a combien de... Je crois qu'on va fabriquer des petits moulins. Un moulin, 1, 2, 3 moulins. Hop. Parce que là, on a plus de pommes. Ici, on a quasi plus de pommes là. Mais il y en a quelques-unes qui ont repoussé. On n'a pas de pommes ici. C'est un poil la lutte. Pour ainsi dire, la grave galère. Si seulement je pouvais les obliger à faire de la farine, ça serait quand même vachement mieux. Alors, ça s'étend par ici, ça s'étend par là, ça s'étend par là, c'est sympa, c'est cool, c'est génial, c'est la teuf. Hop, donc c'est bien. Et c'est aussi surtout, ce qui est très pratique, c'est que c'est bientôt le niveau tout en bas. Et ça va être vraiment super quand on va être au niveau tout en bas. Ça serait bien aussi qu'ils se mettent, par exemple, à construire les moulins que j'ai demandé, non? Éventuellement, comme ça, par hasard, ça serait peut-être utile un jour. Pas éventuellement là de très loin. Et aussi ça serait bien qu'ils se mettent à utiliser cette boulangerie, parce que vu qu'il y a plus de tables, enfin tout bien dire, il n'y a pas de farine, donc s'il n'y a pas de farine, ça sert un peu à rien de se mettre à utiliser la boulangerie. Est-ce que par hasard on n'aurait pas plus de cailloux? Non, on a encore plein de cailloux. Donc alors pourquoi ils me construisent pas le machin que je veux? Allez, on se dépêche, on construit. Parce qu'ils sont quand même pas tous utilisés à essayer de faire de la nourriture qu'ils ne font pas. C'est pas possible, ça. Wait. Ah. Un gros lag de mort du cyclope. C'est ça, c'est qu'on est en... Ah, un moulin de plus. Parfait. Il manque une vache. Ah bah la vache arrive. Deux moulins de plus. Et j'espère très prochainement un troisième moulin de plus.
Et on va se faire réenvahir de farine. J'ai failli dire réenvahir de famine. J'espère pas qu'on va avoir de famine. Il nous reste 8 pommes. 8 pommes, 3 pains. C'est extraordinairement juste, mais c'est faisable. Donc ici, ça a l'air mort. Ah non, ça, ça va par là. Ça, ils sont en train de paffer la tête à tout le monde. Ça, c'est bien. Ça, c'est cool, c'est sympa. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Il y a tout est parfait par ici. Alors, t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu vas chercher? Ça m'intéresse beaucoup. C'est ça. Donc, il ramène les armes. Bon, vu le nombre de vitoyens que j'ai, ça peut se faire. Alors ça, ça va par où? C'est juste un cul-de-sac ici? Ou ça continue effectivement par là pour aller faire quelque chose d'intéressant? Eh bien, on le saura pas. Ouais, vas-y, va visiter ici la pissotière, comme dirait le zigote. On n'aura jamais ce moulin, hein. Ah, si. Voilà, il manque plus qu'une vache. Des vaches, je crois qu'on en a assez un peu partout sur cette carte. Hein. Voilà. Maintenant, on a plus de moulins. Et donc, on ne doit avoir plus de pommes du tout. Ouais, trois pauvres pommes qui se battent en duel. Si elles sont trois, elles se battent en triel, on va dire en truelle. Et 4 bouts de pain. Avec le nombre de moulins qu'on a, normalement, on devrait pouvoir faire 5 farines ici. Si, ouais, 10 farines à chaque fois. Ça devrait pouvoir se faire, quand même. C'est vrai que ça fait quand même beaucoup de vitoyens ici. Hein. Mais c'est vrai que je devrais rééquiper tous les nouveaux, tout ça. Je pense que je ferai une session de pause un jour où on apprendra à tous les connaître et on regardera leur nom et tout ça, tout ça. Ça y est, on a plus de pommes. Mais non, mais c'est pas du tout ça que je voulais faire. Mais non, ça, non. Voilà. Oh, on commence à avoir du pain. Je pense que c'est une fausse alerte. Faut pas s'inquiéter là-dessus. Hey, ça commence à se faire explorer par ici aussi, c'est sympa, hein. Là, ça part là-bas. Ah bah, ici, c'est fini. Ok, donc ici, c'est tout fini. Ici, c'était un petit cul-de-sac. Ici, c'est tout fini. Bah, ici, ça va être tout fini aussi, hein. Il va falloir encore sacrifier des vitoyens pour aller plus loin. On a fini les jolis donjons, bien organisés, tout ça, pour le bordel total. Puis là, on va regarder Tybalt déboîter quelqu'un. Et on va se laisser là-dessus pour aujourd'hui. Et on va se dire à très bientôt pour un nouvel épisode de la Vieille-Ville où on va peut-être observer une famine ou enfin le... Mais non, mais non, mais... Ah, là, 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 là. Soit une famine, soit le début de du retour du régime... au pain sec de toute la Vieille-Ville. Et en attendant, on va y passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, un bon déjeuner, un bon souper, un bon dîner, comme d'habitude, choisissez ce qui vous correspond et à très bientôt. Salut.